soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut près de Jérusalem. Voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple, à ne pas confondre avec la fête des chandelles, la fête de la présentation de l'enfant Jésus au Temple que nous célébrons en février, c'est-à-dire que nous célébrons aujourd'hui le jour où Saint Joachim et Sainte Anne, les parents de la Vierge Marie, l'ont présenté au temple comme tous les Juifs le faisaient, du moins ceux qui pouvaient aller à Jérusalem, parce que beaucoup ne pouvaient pas. Et la Vierge qui est née autour de Jérusalem avait cette opportunité d'être présentée par ses parents au temple. La même chose se passera avec notre Seigneur Jésus-Christ. La présentation au temple représentait la consécration, l'offrande. Les parents qui offraient leur enfant au Seigneur, l'enfant était offert à Dieu. Je te l'offre, je t'offre mon enfant comme signe de gratitude parce que tu me l'as donné, parce que cet enfant me vient de toi. Je te l'offre, je te consacre cet enfant que tu m'as donné comme signe de gratitude. Saint Joachim et Sainte Anne, comme tous les Juifs d'ailleurs, vont offrir le fruit de leurs entrailles. Nous savons que le don de la vie était très apprécié dans cette culture et dans cette religion juive. Avoir un enfant était un symbole de bénédiction. Avoir un nouveau-né dans la famille était un moment de joie et de reconnaissance, de gratitude envers les merveilles du Seigneur. Et posons-nous la question aujourd'hui, est-ce que les nouveaux-nés dans nos familles représentent encore le signe de la bénédiction de Dieu? Parfois, Dieu nous fait tant de grâces. Parfois, nous recevons tant de bénédictions de Dieu. Et parfois, nous voyons ces bénédictions comme des choses normales, comme des choses ordinaires. L'arrivée d'une vie dans ta famille, une vie dans ta famille, est une merveille du Seigneur. C'est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Pas aujourd'hui que la vie est banalisée. Dans des parlements, il y a des promulgations des lois, non seulement pour que cette vie qui a déjà jailli dans le ventre de la mère ne puisse pas voir le jour, avortement, mais aussi que cette vie qui est en train d'arriver à son crépuscule, soit par la maladie, soit par la vieillesse, euthanasie, que cette vie ne puisse pas terminer naturellement. Le don de la vie, une merveille du Seigneur, et une merveille que nous devons non seulement accepter, mais valoriser. La vie est un trésor. La vie de l'être humain, la vie en général, mais surtout celle de l'être humain, comme la créature la plus aimée de Dieu, la vie est un trésor. Et nous devons prendre soin, non seulement de nos vies, mais surtout, en parlant de la présentation de la Vierge au Temple, surtout de la vie de nos enfants. Beaucoup se font du souci
pour l'alimentation physique des enfants, pour l'alimentation intellectuelle des enfants, que mon enfant fasse le plus grand collège selon mes moyens, que mon enfant étudie. Aujourd'hui, la mode, c'est l'étude de l'anglais. Si mon enfant n'étudie pas l'anglais, alors il est le dernier des enfants. Nous nous faisons des soucis légitimes. Tout parent veut que son enfant soit le premier à l'école. Tout parent veut que son enfant soit en santé, une bonne alimentation. Mais est-ce que nous nous soucions de la vie spirituelle de nos enfants? Est-ce que nous nous soucions de la relation que nos enfants doivent avoir avec Dieu? Est-ce que nous consacrons nos enfants à Dieu? Est-ce que nous veillons sur la vie spirituelle de ce don que le Seigneur nous a fait, le don de la vie, le don d'avoir des enfants? Est-ce que nous nous soucions de la vie spirituelle de ce don que le Seigneur nous a fait? La consécration de nos enfants à Dieu, la veille pour que nos enfants non seulement reçoivent une bonne alimentation biologique, non seulement qu'ils reçoivent une bonne éducation intellectuelle et humaine, mais aussi une bonne alimentation spirituelle. Par exemple, est-ce que nous prions encore avec nos enfants à la maison? Est-ce que nous veillons pour que nos enfants aient des moments de silence? Est-ce que nous veillons pour que nos enfants pratiquent les sacrements, aller à la messe? Peut-être parce que nous-mêmes, nous n'allons plus à la messe, que nous ne faisons pas que nos enfants y aillent. Nous avons une grande crise dans l'éducation spirituelle de nos enfants aujourd'hui. Nous avons une grande crise où les parents ont démissionné. Les parents ont laissé l'éducation des enfants à l'État. C'est l'État qui doit éduquer mes enfants. Et qui va leur donner, dans ce monde sécularisé, qui va veiller sur l'éducation spirituelle de nos enfants? Je suis chargé ici à la paroisse, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, de la messe des enfants, la messe de 11h30 le dimanche à la paroisse. Et parfois, je commence la messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et les enfants sont devant moi, des enfants de 6, 7, 8 ans, ne savent pas faire le signe de croix. Je suis obligé de recommencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La faute à qui? À la démission des parents dans la dimension spirituelle de leurs enfants. De même que nous sommes chargés, que nous sommes responsables de l'éducation, de la veille, non seulement physique, mais aussi intellectuelle de nos enfants, le Seigneur nous demandera des comptes sur la dimension spirituelle de nos enfants. Le Seigneur nous demandera des comptes. C'est vrai que lorsqu'ils atteignent un âge, l'âge de la raison, eux-mêmes, ou s'éloignent de l'éducation qu'ils ont reçue, ou alors acceptent cette éducation. Mais fais ta part de travail. Tu es responsable de l'éducation spirituelle de tes enfants. Tu es responsable de faire que tes enfants aient une relation avec Dieu, en commençant par la prière à la maison, la transmission des principes, des valeurs chrétiens, et à plus par ton exemple, par ton témoignage de vie. C'est ainsi que nous imitons Saint Joachim et Sainte Anne, qui ont consacré leurs enfants, qui ont offert, fruit de leurs entrailles, par gratitude. Ils ont veillé pour que la Sainte Vierge Marie reçoive une éducation spirituelle et qu'elle puisse avoir cette intimité avec Yahvé, son Seigneur. Alors, chers parents, ne démissionne pas de l'éducation spirituelle de tes enfants. Le Seigneur te demandera des comptes. De même que tu veilles que tes enfants aient à manger, de même que tu es inquiet que tes enfants puissent étudier dans le plus grand collège du coin et qu'ils étudient l'anglais, veille aussi pour que tes enfants soient les premiers à la prière. Veille aussi pour que tes enfants soient les premiers dans la pratique des sacrements et dans la pratique des principes et des valeurs transmis par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons un moment de crise, une crise spirituelle,
Et cette crise a commencé dans nos familles. Cette crise a comme cause la démission des parents dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Reprenons les vieilles habitudes. Reprenons ce que nos anciens nous ont laissé. Nos anciens nous ont appris à prier avec les enfants. Nos anciens nous ont appris à transmettre la présence de Dieu à la maison. Nos anciens nous ont appris à transmettre la spiritualité à la maison. Un enfant qui ne reçoit pas une vie spirituelle à la maison, c'est un enfant qui recevra d'autres principes, d'autres valeurs à la télévision, sur Internet, à l'école, et des principes et des valeurs qui ne seront pas ce que toi tu aimerais que tes enfants reçoivent. Que le Seigneur nous aide à transmettre la foi, que le Seigneur nous aide à veiller sur l'éducation spirituelle de nos enfants, que Saint Joachim et Sainte Anne intercèdent pour nous et que nous puissions nous aussi consacrer nos enfants par gratitude au don de la vie que nous avons reçue, que nous puissions offrir nos enfants au Seigneur lui-même qui est le faiseur du don, qui est celui-là qui guide nos pas et qui nous aide à transmettre ses valeurs et ses principes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.